tu réponds finalement. Désolée, j'étais occupée à certaines choses. Tu veux dire Dina ? Attends, comment le sais-tu, maman ? Aureliano est passé et il sait que vous êtes ensemble. Eh bien, ne devrais-tu pas être heureuse, maman ? Je l'ai déjà retrouvée. Dès qu'elle dit la vérité, ma réputation sera redorée. Mais Sarah, la police pense que vous êtes ensemble parce que vous vous connaissez. C'est pourquoi... Tu devrais être prudente où que tu sois parce qu'ils vous cherchent. Itoi, tu n'avais pas besoin de venir avec moi. Non, Kara. Je le voulais vraiment. Tu dois avoir quelqu'un avec toi. Et nous devons tenir à l'œil cette sorcière Alex. Tu sais que j'étais sûre depuis le début qu'elle n'était pas nette, non ? Mais Itoi, c'est dangereux. Exactement. Une raison de plus pour que je t'accompagne. Oh non ! Voilà la sorcière. Oh ! Oh, incroyable ! Cette sorcière a un chauffeur. Alex l'arrive vite. Maman, où est Kara ? Elle est sortie. Elle ne te l'a pas dit ? Vous ne vous êtes pas réconciliés ? Ça va, ne t'inquiète pas. Mais à chaque fois qu'on parle d'Alex, on se dispute. Seb, tu crois toujours qu'elle est innocente ? Je comprends ta situation, mais j'espère qu'au moins tu ouvriras les yeux sur la réelle identité d'Alex. Maman, je connais ma sœur mieux que quiconque. Je sais très bien ce que je fais. Oui, je sais. Ne la laisse pas ruiner ta relation avec Kara, ok ? Oui, maman, je ne laisserai pas ça se passer. N'as-tu pas remarqué ? Cette voiture nous suit. Ronald ? Oui, madame. Tu vois cette femme ? Je me demande ce que cette sorcière fait. En effet, quel est cet endroit ? Oh ! Il n'y a rien. Aucune idée. Ronald, tu vois cette femme ? Oui, madame. Écrase-la. Quoi ? Es-tu sourd ? Fais-lui une petite blessure. Je te couvre. Vite ! Oh mon Dieu, Kara ! Éloigne-toi d'elle. Espèce de sorcière, tu l'as fait exprès. Tu vas vraiment nous tuer. Non, c'était un accident. Mon chauffeur ne t'a pas vu. Itoi. Oh Ronald, espèce d'idiot. Il y avait quelqu'un. Peux-tu te lever ? Allez, essaie oui, de te oh lever. Oh mon Dieu. Aïe, non. Oh, oh, je crois que quelque chose est cassé. Oh non, on doit l'emmener à l'hôpital. Ne le touche pas, laisse-nous tranquille. Mais alors que fait-on ? On doit l'amener à l'hôpital. Je m'en occupe, Itoi. Attends-moi ici, je vais chercher la voiture. Ok, vas-y. Attends, ça va te prendre plus longtemps. Laisse-moi m'en occuper. Non, ne le touche pas. Allez, reviens vite, Kara. Oh. Oh. Ronald, vite, aide-moi. Oh. Aide-moi à mettre Itoi dans la voiture. Comment osez-vous ? Hé, hey, comment osez-vous ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On doit aller à l'hôpital tout de suite. Où m'amènes-tu ? Kara, Kara, aïe ! Où m'emmenez-vous ? Oh,
Kara ? Allô, Seb ? Itoy ! Alex a embarqué, Itoy ! Je vais les suivre. Quoi ? À plus. Hé ! Où m'amenez-vous ? Pourquoi avoir changé de chemin ? Je pensais que nous allions à l'hôpital ! Fais-tu enfin te taire, Itoy ! Tu es mauvaise, Alex ! Vas-tu me tuer ? Pourquoi je ferais ça ? Après tout ce que tu m'as fait, ce serait trop gentil pour toi. Tu sais ce que tu mérites ? Tu mérites d'abord d'être torturé. Alex ! Aie pitié ! Ne me fais pas ça ! Arrête ton cinéma ! Tu ne me feras pas changer d'avis, alors tais-toi ! On y est presque. Accroche-toi ! Comment oses-tu ? Alex, sorcière ! Tu es mauvaise ! Alain ! Alain ! Monsieur, monsieur, aidez-moi s'il vous plaît ! Je vous en prie, aidez-moi ! Allô, Kara ? Nous sommes arrivés à l'hôpital. Allô ? Allô, Seb ? Hé, où es-tu exactement ? Nous sommes à l'hôpital. Je pensais... Même moi, j'ai été surprise. Je suivais Alex. J'étais surprise qu'elle s'arrête ici. Je dois juste trouver où Itoy est. Kara, dis-moi dans quel hôpital tu es. Maman et moi arrivons. Ok, je te tiens au courant. Kara ? C'est bien que tu sois là. Oui, parce que je t'ai suivie. Ne t'ai-je pas dit que je conduirais Itoy ici ? Je suis désolée, mais il souffrait tellement. Je me sentais mal pour lui, donc on s'est dépêché. On ne pouvait pas attendre. Attends, il y a un problème, que je le conduise ici ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu sais que je ne te fais pas confiance. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Vraiment, je ne voulais pas que quoi que ce soit arrive. C'est de la faute de mon chauffeur. Il est nouveau, c'est pour ça. Alex, s'il est nouveau, pourquoi l'as-tu laissé conduire ? Waouh, c'en était trop. Le chauffeur n'est pas le problème en fait. Le problème, c'est les gens qui débarquent dans des endroits où ils ne devraient pas être. Comme toi. Que faisais-tu là avec Itoy ? Rien, je ne faisais que passer. Ça te pose problème ? Bien sûr que non. Mais Kara, tu dois être très prudente. Surtout ces jours-ci. Il y a des fous partout. Attention. Quelque chose de plus grave pourrait arriver à Itoy. Ou pire, à ta famille. Doc, comment va Itoy ? Il s'est fait une endorse. Il doit se reposer maintenant. Oh, très bien, merci. Excusez-moi. Itoy, je suis tellement désolée. Je t'avais dit de ne pas venir. Je vais bien. Ne t'inquiète pas, Kara. Ce qui importe, c'est que tu es sauve et qu'Alex n'a pas réussi son plan diabolique contre toi. Mon Dieu ! Alors, ça fait mal ? Oui, mais je peux supporter la douleur. Itoy ? Itoy ! Maman ! Laura ! Qu'est-ce qui s'est J'ai passé ? J'ai cru que j'allais mourir. Hé, hey, Itoy, qu'a dit le docteur ? Que t'est-il arrivé ? Elle a dit que Itoy devait se reposer. Il a une entorse. Itoy ? C'est peut-être une petite entorse, mais je ne laisserai pas ça passer. Elle doit payer pour ça. Je poursuivrai cette vicieuse d'Alex. Itoy, reste calme. Ne bouge pas trop. Ça pourrait être pire. Itoy, je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Seb, vas-tu encore défendre Alex ? Je veux juste éviter que la situation empire. Empirer ? Seb, ce n'était pas un simple accident. J'aurais été tuée si Itoy ne m'avait pas sauvée. Seb ? Toi ! T'es là ! Comment oses-tu, Alex ? Comment oses-tu blesser ma famille ? Attendez, Madame Laura. Ce qui est arrivé n'est pas de ma faute. Je ne conduisais pas. Vous devriez en vouloir au chauffeur, pas à moi. Ne te moque pas de moi. Je sais ce que tu as fait, Alex. Maman ! Alex, arrêtez s'il vous plaît. Tu t'en es peut-être sorti cette fois. Mais prépare-toi. Le retour de Karma arrive et je m'assurerai que tu ne t'en sortiras pas.
Anna ? Anna ! Je suis là ! Oh, salut ma chérie ! Anna, ma chérie, c'est bien que tu sois là. On t'a amené de la glace. CR veut te donner ceci. Oui, c'est ton parfum préféré, tu vois ? Aide-moi, oncle Andy. Oh ! Pourquoi le mettre au frigo ? Tu n'aimes pas ça ? N'est-ce pas ta préférée ? Je ne peux pas finir ça seule. Oh, alors mange ce que tu peux, ok ? Allez, voilà. Ça ne sera plus bon. J'ai travaillé dur pour payer ça. Je mangerai quand Becca sera là, pour qu'on mange ensemble. Alex, merci. Merci. Pourquoi ? Pour avoir sauvé Itoy. Vraiment, Seb ? Oui, n'est-ce pas toi qui l'as amené ici à l'hôpital ? Je pensais que tu pensais comme Madame Laura. Que je l'avais fait exprès. Tu as raison. Comment aurais-tu pu faire ça ? Tu ne conduisais même pas. C'est bien ce que j'ai dit. Mais personne n'a bien voulu me croire. Alex, je te crois. Et Alex, je suis désolée si... je n'ai pas pu te le dire avant. Tu dois me comprendre. Cara est toujours ma femme. Je comprends. Ce n'est rien. Tout ce qui compte, c'est que tu me crois. Merci de ta compréhension. Malgré mes manquements envers toi. Allez, Seb. C'est le passé. Oublie tout ça. Honnêtement, Alex, je prie. Je prie pour qu'on soit... qu'on soit à nouveau comme avant. Je veux qu'on répare notre relation, Alex. J'espère que c'est un nouveau début. Je l'espère aussi. Merci. Merci, Seb. Eh bien, je dois y aller. Occupe-toi bien d'Itoy. Très bien. Salut. Avez-vous trouvé Dinah ? Pas encore, chef. Nous avons cherché tout autour de l'endroit où ils étaient. Mais elle n'était pas là. Je suis sûr que quelqu'un l'aide. C'est la seule manière de pouvoir s'enfuir. Trouvez qui l'aide au juste. Oui, chef. Mets en pause. Allez, relance. Monsieur, on dirait que Dinah était en danger. Vous avez raison. Sarah a aidé Dinah. Nous avons parlé aux gardes et à d'autres résidents du bâtiment, monsieur. Ils nous ont dit que c'est la première fois qu'ils voyaient Sarah. Mais qu'est-ce que Sarah faisait là, alors ? Monsieur, nous avons des nouvelles sur monsieur Ligaya. Il vient de partir. Qu'allez-vous faire, monsieur ? Je veux que vous cherchiez toutes les propriétés de monsieur Ligaya. Tout de suite. Bougez. Allez. Oui, oui monsieur. Allez, c'est parti. Que se passe-t-il ? Votre usurier est allé directement à cet endroit. Je crois fermement que c'est la cachette de monsieur Julio. Êtes-vous sûr ? La sécurité y est très élevée. Il y a des hommes armés gardant le portail. C'est peut-être où Julio opère ses affaires. Maintenant, c'est à mon tour de me venger. Il est temps de leur créer des ennuis. Allô ? Chef ? C'est Madame Acosta. Je vais très bien, merci.
je vous appelle parce que je vais vous signaler un commerce illégal. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici? Bonjour, Andy. Où est monsieur Acosta? Désolé, il n'est pas ici. Où est-il? Il est allé à l'hôpital pour chercher Itoy. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ils ont dit que Alex l'avait presque écrasé avec sa voiture. Andy, juste un instant. Ok. Allô? Monsieur, bonne nouvelle. Nous avons trouvé le suspect. Sarah? Où est-elle? Elle est dans une des maisons d'Edouard Ligaya. Je le savais. Edouard l'aidait depuis tout ce temps. Donnez-moi l'adresse exacte. Chef! Chef! Oui? Nous avons un problème. Quel problème? On vient de voir des policiers. Vous savez quoi faire. Ok, oui, chef. Connais-tu un autre endroit où on pourrait se cacher? Pourquoi? Tu n'aimes pas cet endroit? Cet endroit est bien, mais je viens de parler à maman. Selon elle, la police me cherche. Et ils savent que je suis avec Dina. Ils ont fini de chercher. Ils nous ont trouvés. On doit partir tout de suite. Quoi? Bon, je rappelle Dina. Monsieur, quel est le problème? Nous avons un mandat d'arrêt. Hein? Monsieur, il n'est pas ici. Cherchez tout l'endroit. Retournez-vous. Attendez, monsieur. Attendez! Ne bougez pas. Allez, vite! Allez. Dépêchez-vous. Sarah, allez. On y va, allez. Plus vite. Aidez-la. On y va. Sarah. Vite. Par là. Attendez. Vers où va-t-on ensuite? Pensons à ça plus tard. On doit d'abord sortir d'ici. Allez. Il y a une petite barrière à l'arrière. Allez. Par là. Allons-y. Vite. Dis-le-moi si tu as besoin de quoi que Itoy, ce soit. Comment vas-tu? Es-tu blessé? Est-ce que j'ai l'air bien, Andy? C'est ridicule. C'est tellement frustrant. Je déteste encore plus Alex maintenant. Je ne suis plus jeune. Comment a-t-elle pu me blesser comme ça? Ça va aller, Itoy. Tu as toujours l'air beau. Oh, vraiment, ma chère? Oh, mon Dieu. Très bien. Tu dis la vérité. Mais Itoy, comment as-tu été blessé? Mon Dieu. En fait, ce n'est pas moi qu'elle essayait de blesser. Cette sorcière d'Alex voulait blesser Kara. Mais elle a été malchanceuse parce que j'étais là. Tante Alex voulait blesser maman? Paolo, peux-tu escorter Anna en haut? Ok, Seb. Allons-y. Oh, Itoy. Attends. Doucement. Oh. Sois prudent. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser Alex impunie pour ce qu'elle a fait. Kara, nous avons déjà parlé de ça. Itoy va bien, non? C'était un simple accident. Il va bien? Un accident? Ça suffit, arrêtez de vous battre. On a assez de problèmes. Tati a raison, surtout maintenant que la police a attrapé Sarah. Ils ont trouvé Sarah? Oui, c'est ce que j'ai entendu de monsieur Arellano. Il était ici un peu plus tôt. Quelqu'un l'a appelé et a dit qu'ils avaient trouvé Sarah cachée dans la maison d'Edouard.
Vite, par là. Dépêchez-vous. Hey. Ça va? Maman, très bien. Je ne peux plus. L'autre bras. Laissez-moi vous aider. Accrochez-vous maman, à moi. Ça va? Accrochez-vous. Ils vont t'aider. Voilà. Merci. Sarah est-elle ici? Oui, monsieur, confirmé. Mais nous pensons qu'elle n'est pas seule. Il y a d'autres personnes avec elle. Très bien. Sécurisez les lieux et les sorties. Oui, monsieur. Sarah Suarez. L'inspecteur Arellano. Allez, vite! Ils vont nous attraper, vite! Laissez-nous ici, échappez-vous. On ne peut pas! Tu es la seule qui puisse redorer la réputation de Sarah. Si vous ne partez pas, ils nous attraperont tous. Par là. On peut le faire. Je vais m'en occuper. Laissez-moi ici. Je les distrairai pour vous faire gagner du temps. Edouard, non. Sarah, on n'a pas le choix. Allez-y sans moi, ne vous inquiétez pas. Je peux me gérer. Sarah, allons-y. Sois prudent. Allez. Allez, vite. Vous pouvez le faire. Approchez-vous à nous.